Voilà, ça c'est sa façon de me dire bonjour, tu vois. Voilà. Alors que j'ai la viande à côté, si elle avait faim, elle la prendrait. Mmh. Eh ben non. Elle, le matin, ce qu'elle veut, c'est picorer mes doigts. C'est téter un petit peu les doigts. Tu veux me dire bonjour? Tu veux me dire bonjour? Petit, petit oiseau. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben. Avec le bec ouvert. Voilà. Maintenant, tu le vois. Eh ben, elle est capable de le poser, tu vois. Voilà. Oui, oui, voilà. Elle va le manger dans ta main. Picorer mes doigts. Voilà ce qu'elle veut le matin. C'est faire un câlin. Et oui. T'es une voyouse.
ça ne va pas plus loin que la photographie. En tout cas, continuez comme ça, parce que bon, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que vous avez découvert en dessous quand j'étais descendu sur Toulon. Oui. Parce que par ici, pour vous capter, c'est pas évident. Moi, je vous ai sur Internet ou sur une parabole. Mais si je vous rends, je suis sur la radio. Merci beaucoup. Merci ce que vous faites. Hein. Merci, Lionel. Et puis, votre collègue, la Flistor, que je vois sur BFM TV régulièrement, je crois qu'il en congé encore toujours. Allez, il est en course, un congé jusqu'à la fin de la semaine, et il reviendra lundi, et il reprendra son rendez-vous politique à 7h20, à partir de lundi. Ouais, c'est ses analyses sont très très bonnes. Bon, je ne suis pas là pour vous flatter, parce que ce n'est pas tellement mon genre. Oui. Mais honnêtement, c'est quelqu'un de sérieux, compétent. Bon. Et puis... la police n'est pas trop mieux. Allez, je vais prendre le militaire à Marseille, alors Sébastien. Le président de Marseille est une bouge pas, voix. De la police nationale, mais aussi dans ce genre de quartier. Et picote. En particulier ce qui est l'immeuble où ça se passe effectivement les trafics et ce genre de choses. Bonjour. On la voit bien. Hein. Bonjour, ma cocotte. Bonjour, la chouette. Mais non, ça lui fait peur si je m'approche avec le truc, tu vois. Tu vois, bouge plus, le bec ouvert, tu vois. Ah, on est bien, le soleil, hein. J'ai décidé de confier un mandat à Laurent Lazare sur le dossier de création d'une grande ligne d'investissement qui doit aider les PME. Un des dirigeants de confier les mises en concurrence à une entreprise qui a été sélectionnée dans une procédure de marché, le soin d'un gouvernement pour mettre en place suivant. Vous allez donner des... S'enlève le décision à une place par le ministère des Finances dans un cadre incontestable. À première vue, de marchandises, des amandes, du fromage et même du saumon. Sur le marché de Barbès, il peut gagner jusqu'à 150 euros la journée, mais il risque gros. Pour voilà l'étalage, il en trouve jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Depuis la réalisation du nouveau reportage, la préfecture de police tente d'éradiquer le phénomène. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ça pique. Aïe 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 aïe